mec, c'est n'importe quoi. Il a fait carrément un skin Galaxy en mode Ghoul Trooper. Hey, salut à toutes et à toutes les copains, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Hein, c'est un lendemain de soirée, c'est assez difficile pour moi, ne m'en voulez pas, d'accord? Sinon, avant de commencer la vidéo, devinez, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vous laisse 3 secondes. Déjà, vous avez, je pense, vu Alki dans le titre, vous savez qu'il va y avoir des dingueries dans cette vidéo, je le sais. Donc aujourd'hui, 3ème épisode, on est avec Alki qui va nous montrer cette fois-ci, non pas des skins qui vont sortir prochainement dans le jeu, mais ses propres skins. Monsieur arrive carrément à cafouiller dans les fichiers du jeu, à modifier les valeurs du jeu pour créer ses propres skins et vous allez voir qu'il y a vraiment des trucs complètement what the fuck. Est-ce que t'as déjà vu une banane? Oui. Est-ce que j'ai vu un skin Galaxy, oui, mais est-ce que t'as déjà vu Banane Galaxy? Je pense pas. On me l'a expliqué, mais je l'ai pas encore vu. Et franchement, il y a des skins de malade qui va nous montrer aujourd'hui, Alki. Est-ce que tu vas bien? Je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner là, pour tous les petits nouveaux qui viendraient de tomber sur cette vidéo. Vous êtes les bienvenus. Si vous êtes chez vous, pensez également à mettre votre petit pouce bleu pour tous les copains fidèles déjà abonnés à la chaîne YouTube. On va essayer de faire les 400 likes sur cette vidéo. Le précédent épisode, j'ai réussi à faire 300. Là, je veux qu'on arrive à faire les 400 sur cette vidéo. Je suis sûr que vous pouvez y arriver. Et également, il se trouve que j'ai bientôt faire des lives sur Twitch tous les soirs. Donc n'hésitez pas à aller me follow là-bas pour qu'on puisse aller streamer de temps en temps tous ensemble. Puis voilà aussi tous mes réseaux sociaux hein, qui sont également tous en description. C'est Raifeed sur Snap, Instagram, Twitter, Facebook, partout où vous voudriez m'ajouter. Donc n'hésitez pas à se venir peut-être discuter ou bien vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne et sur Fortnite, ça ferait extrêmement plaisir aussi. Pour les intéresser, on va réinvestir tous les sous du code créateur pour faire de temps en temps des petits cadeaux sur le jeu. Et si voilà, vous abonnez, pensez à mettre le code créateur dans la boutique d'objets, c'est super important. Pour bien évidemment aussi laisser votre compte Epic Games dans les commentaires, vous pouvez l'écrire autant de fois que vous voulez. Puis bah écoutez, c'est parti pour la vidéo. Allez, bon, on passe directement au skin induct. Donc vraiment, bah, déjà tu m'as expliqué quelques trucs qu'il y a à avoir. Pour essayer de voir à quoi ça va ressembler. Je ne suis pas en jeu tout simplement parce qu'en fait les skins modés c'est uniquement local. Si il met des skins modés alors que moi je les ai pas installés, je pourrais pas les voir. Donc on va aller directement sur son gameplay avec le partage d'écran. Allez, c'est parti. Vas-y, du coup, t'es prêt? Allez, c'est parti. Premier skin modé les gars. Alors à quoi ça? Mec, il est trop beau. Un galaxie en feu. Ça fait bizarre un peu les reflets. Ouais, c'est stylé hein. Bah ça fait bizarre, on dirait que ça fait un effet brouillé un peu. Tu sais comme une télé quand elle s'éteint là. Tiens, juste avant d'enchaîner les skins, les copains, dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. Ça fait ressortir ses cheveux blancs, le fait qu'il soit tout rouge comme ça, je trouve. Pas mal. Moi, je lui mets un petit 8. Un petit 8 sur. On démarre avec, on fait celui-là. Allez, vas-y. À toi l'honneur. Du coup, je te fais commencer. Mec, il est sorti tout droit des enfers celui-là. Pas mal, pas mal. Pourquoi c'est bizarre qu'il y ait bah, le truc Galaxy partout sauf sur sa tête. La flemme du hacker, attention. Bon, c'est marrant. C'est marrant. Fais-le tourner vite fait. Est-ce qu'il y aurait moyen que t'en montres certains en jeu? Pas mal. Celui-là, je lui mettrais un 7 sur 10. 7 sur 10. Lui? Ah ouais. T'as vraiment l'impression d'un skin d'Epic Game. Une diablesse rouge. Ah ouais, avec la capuche, c'est propre. Elle a vraiment un. Elle a un flow, elle a un style particulier, j'aime bien. Celui-là, allez, je lui mettrais 8. 8 parce qu'on serait pas dire que c'est un skin modé, limite on peut croire que c'est vraiment un skin dans le jeu. Tu franchement, voir, il est beau. Tu veux voir quoi en premier? Un skin tacos ou un skin lama? Moi et tous les copains, ils sont chauds pour voir le skin tacos en premier. Oh putain. Oh non. En plus, il est sapé tout en violet. Et c'est comme je disais, tu sais, la tête du tacos, ça me fait penser à Toy Story, le. Tu sais, fourchette. Pour ceux qui ont regardé Toy Story, les copains, sur la vidéo, franchement, ses yeux, ça me fait penser à fourchette. Non, pas mal, pas mal. Bon, comme c'est un tacos, on lui met un petit 9. What? Là c'est un tacos au. Non, un tacos avec de la barbe. C'est un tacos OGM celui-là à mon avis. C'est un tacos génétiquement modifié, il est tout marron, il a grillé. Hein? Oh, il est trop chul. Ça fait un mélange trop bizarre. Il y a même la capuche d'un autre skin en plus. Même le lama il a pas la même couleur, comment ça se fait? En gros c'est le lama. Il y a eu le lama de mec qui est sorti, il y a eu le lama de fille. Du coup j'ai pris le corps hein de. Ma fille. Ouais, il est sympa, le petit lama Galaxy. Tu peux pas modifier directement la texture du lama, ouais. C'est pas possible, ça, par contre. Non. Tiens, t'aurais pu mettre ce que tu veux dessus, ou bien le mettre de la couleur que tu veux, ça aurait été marrant. Il y a plein de trucs différents, je mettrais ça, celui-là. Au moins, tu le vois dans le noir. Ça, c'est sûr. Franchement, hey, une tête de tacos sur un skin avec le lama, ça aurait été nickel, mec. Mais... Ouais. Le vieux, les piles tacos au-dessus, tu vois, ça... Ça flash, on le remarque. Ah ouais, putain, il y en a plein. La viking, là. Ah ouais, la viking en... En Galaxy, là, elle est magnifique. Bah ouais, il y a ceux que t'as montré tout à l'heure aussi, là, sur Docteur Cacahuète. Merci d'avoir sorti ces skins-là. Ah ouais, il a carrément fait une banane avec les lueurs du cube. Super bien fait. Et apparemment, il a fait avec plein de textures et plein de couleurs différentes. On va jeter un petit coup d'œil. Merci en tout cas de me laisser utiliser ta vidéo, Docteur Cacahuète, c'est gentil. Je n'aime pas vraiment dire ce que c'est. Mais elle est trop stylée. Je crois que c'est le plus beau skin que j'ai jamais vu sur le jeu. Mais carrément, c'est trop bien fait. Fait carrément une banane enflammée. Une banane flambée. Et franchement, celui-là, il est magnifique. Après, il faut avoir la banane quoi. Mais... Ah ouais, avec les modes bâton de feu en plus. Ah là, par contre, je crois qu'on a la galère.
Voilà, là par contre la Banane Galaxy, pas mal aussi hein. Moi je préfère quand même les autres dans le fond je crois. Mais elle est belle aussi comme ça la Banane Galaxy. Et là il y en a une toute dernière dans un tout dernier style. Banane gelée, banane en glace. Moi là, quelle version vous préférez vous de la banane? C'était sur une de mes vidéos à l'époque. Et celui-ci moi j'avais installé un skin modé sur j'avais carrément Thanos. Et c'était possible avec plein de skins hein. C'était possible avec Spider-Man, Captain America, le bouclier aussi. Voilà donc à un moment j'avais aussi eu ce skin là sur mes streams. Regardez j'avais un skin Galaxy avec une espèce de bonnet. En même temps les reflets, les trucs Galaxy tu le mets sur n'importe lequel des skins ça passe plutôt bien en vrai. Là par exemple il avait un skin, il est sympa mais c'est pas non plus mon préféré. Bah je lui mettrais un petit 6 celui-là, c'est pas celui que je préfère. Il y a trop de couleurs différentes. Attends what? What the fuck? Comment c'est que c'est possible ça? Il a remplacé la texture du Galaxy noir hein. Et du coup ça fait genre on voit le, tu sais la marque suprême et tout qui défile sur le skin. Ah oh, c'est trop stylé. Donc en vrai on pourrait faire ça avec n'importe quel truc. Je sais pas si c'est encore possible, faudrait qu'on lui demande. Donc là encore pareil, Alkyl avait encore un autre skin modé. Celui-là il a un petit peu de toutes les couleurs. Franchement je l'aime pas trop. Attends mais c'est trop bizarre ça aussi. Il a fait un skin John Wick. Il y a pas la texture qui bouge, c'est juste les couleurs roses. Bon là il est un petit peu efféminé John Wick comme ça hein. Je vois plus pareil là. Ça casse un truc en lui là, les couleurs roses sur son nom. Alors son costume il doit être noir là, ça me plaît pas. Donc là apparemment il avait modé un skin qui était de base de couleur pour le mettre tout en noir. Il est beaucoup plus beau comme ça tout en noir. Ça fait un peu une combinaison en latex on dirait sur le personnage. Non mais mec c'est n'importe quoi. Il a fait carrément un skin Galaxy en mode Ghoul Trooper avec tous les os et tout. Ah mais il est magnifique. Je crois que c'est un des plus beaux que j'ai jamais vu dans le jeu, vraiment. Vraiment, je crois que celui-là, c'est vraiment le plus beau skin que j'ai vu sur le jeu. Et celui-là, vous pouvez pas dire, les gars, franchement, c'est 10 sur 10 direct. Bah écoutez, je pense qu'on va se quitter sur ça, parce que sinon, en vrai, il y en a tellement que je vais pouvoir vous en montrer sans m'arrêter. Si ça vous plaît, on en fera un nouvel épisode. Je compte pour mettre votre petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube, si c'est pas encore le cas. Si vous voulez du coup encore un nouvel épisode, un épisode 4 avec Alki, vous me le faites savoir, les copains. On le réinvitera, puis il vous remontera des trucs chelous comme ça encore, si vous voulez. Voilà, ce très bientôt pour d'autres vidéos. C'était votre tonton Tacos. Ciao, ciao. Fighting to stay in my face. Live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please. Cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul. These pills leave you empty.